Salut à toi qui regarde cette vidéo. Petite découverte là de Seasons After Fall. Voilà un jeu que j'ai dans ma bibliothèque depuis un bon moment. Que je devais faire depuis donc belle lurette. Et puis bah voilà. Hein. Le temps a passé, ça n'a pas été fait. Que je pense qu'on va attaquer, hein. Il n'y a rien à dire de spécial. Hein. Allez. Je sais pas s'il faut que je touche toutes les bouboules d'énergie là. Très chelou comme comme mise en bouche. Rien à voir avec ce qui est le jeu. Enfin, j'imagine que c'est un rapport, mais je vois pas quel est le rapport justement avec le jeu. Ok, bon. Why not? Ah, enfin, te voilà.
T'en as mis du temps à te réveiller, petite graine. Si les gardiens étaient là, ils te mettraient sûrement en garde. À force de dormir autant, tu pourrais bien un jour te perdre dans tes rêves et ne plus jamais te réveiller. On bouge pas un poule deux secondes. Ouais, c'est exactement ce que diraient les gardiens. Mais t'as de la chance. Aujourd'hui, c'est moi qui t'accueille. Et je suis beaucoup plus jeune qu'eux, donc je te ferai pas la leçon. Tiens, notre deuxième invité arrive plus tôt que prévu. Voyons de quoi il s'agit. Petite graine, en l'honneur de cette journée particulière, je te présente ton cadeau. Oh, un renard sauvage. Oh, bah, c'est mieux que rien, j'imagine. J'aurais préféré un animal un peu plus malin, un peu plus beau. Un loup, peut-être. Mais bon, tu sais quoi? C'est pas grave, on va faire avec. Allez, let's go le renard. Approche-toi de lui. Vas-y, n'aie pas peur. Doucement. Eh, pas trop près, tu vas l'effrayer. C'est à lui de venir vers toi. D'accord. Eh ben, vas-y, ramène-toi. Bien, comme ça. Maintenant, attire-le au centre du sanctuaire. C'est ça, jusqu'au centre. Un peu plus près encore. Il a fait demi-tour ou quoi? Qu'est-ce qu'il est mou, ce renard? Ça va, ouais. Parfait. Ne bouge plus, petite graine. Je m'occupe du reste. Et voilà. Maintenant que t'as un corps, tu vas pouvoir aller rendre visite au gardien des saisons. Moi, j'ai pas le choix, je dois rester ici. Alors, par où commencer? Ah oui, je sais. Si tu suis ce chemin qui monte à l'est et que tu t'aventures au-delà des hautes herbes, tu apercevras l'orée des bois. C'est là que se trouve le gardien de l'hiver. Il possède quelque chose dont j'ai besoin et il n'y a que toi qui puisses aller le chercher. Tu comprendras de quoi il s'agit quand tu le verras. Je préfère te laisser la surprise. Bah, let's go. Allons voir ce gardien de l'hiver. Le mec il saute pile poil au moment où il fallait sauter, quoi. Je suis en train de tester les touches. Et en même temps, apparemment, il n'y a que ça. Hein. Ok. Ah, c'est la crique là, c'est pas l'orée des bois. Allez, va, petite graine. Cours, saute, profite de ton nouveau corps. Tu ne peux pas te perdre, je garderai toujours un œil sur toi. Les couleurs, c'est quand même très sympa. Hein. Comment c'est foutu, j'aime beaucoup. Moi. Très original, là, dirons-nous. Oui.
fallait que je mette un coup de machin, je pense. Tu vois ces totems sur le chemin? C'est le gardien de l'hiver qui les a sculptés. C'est spécial. Mais bon, avec d'aussi grosses pattes, ça doit vraiment pas être évident. Ne lui fais pas trop de commentaires là-dessus quand tu le verras, ça pourrait le vexer. Ah, il a les grosses pattes? Ah, c'est la chute. Il n'y avait rien là sinon, non. Ah, j'ai voulu tenter un truc. Il va pas si loin que ça, Foxy là. Le gardien adore dormir entouré de ses totems. Suis-les et tu trouveras sa tanière à coup sûr. Bizarre qu'on puisse pas faire un truc avec ces machins là. Saute pas. C'est où mon renard là? C'est quand même relativement stylé, hein. Ah, j'aime bien. Je vais, mais j'y vais. Hein. Non, mais ces trucs, on dirait qu'il faut tomber dedans, non? Ah, ça doit être lui. Thank you.
Ouais, il me fait un Genkidama et puis il se... Ah, pour la ronflette, quoi. En mode hibernation. Bah, super. Il faut ramener ça, a priori. Je sens que t'es sur le chemin du retour, petite graine. Avec le fragment d'hiver. Je crois qu'il essaye de communiquer avec toi. En jappant, tu devrais pouvoir le faire réagir. Tu peux japper deux fois de suite s'il est un peu dur de la feuille. Ah oui, d'accord, oui, c'est le truc de l'hiver, ouais, effectivement. Ah ouais. Il se transforme comme ça, quoi. Rembobiner le truc. Ballot ça. Ah, c'est excellent, ça fait le bruit de la neige maintenant quand il se déplace. Hey, coucou. Non, ça passe pas. Comment qu'on fait? Merde alors. Comment il veut que je passe là? Et si j'appuie deux fois de suite, en fait, il me fait passer, il me change la saison, quoi. Vraiment, tu m'impressionnes. T'es plus rapide que je le pensais, malgré ton renard. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Ouais, Le critique fragment pas se mon dirige vers le renard. sanctuaire. Surtout, ne le perds pas de vue. Ah ouais, mais tu me l'as mis vachement en hauteur là. Ça a pas fait comme... Ah si. Et là, comment il s'accroche le renard. Talon. Et pas de solide en tout cas. Il fait des chutes le machin. Bah, on a ramené le premier truc. Alors, on n'est pas tout à fait arrivé. Le froid, ça fait se rétracter les petites plantes. Et les plus grosses, ça a l'air de les booster, puisqu'elles peuvent me permettre de sauter. Donc ça, c'est cool. On aurait dit un cheval, là, quand je suis arrivé, non? Froid. La tête en haut. La patte avant, ici, là. À l'arrière du cheval. Un peu quand même. J'imagine que le gardien de l'hiver t'a rien dit. Ah, il faut l'excuser. Il est toujours très fatigué. Ah, j'ai vu ça, il est ouais. Un peu ronchon aussi. Ça reste entre nous. C'est même à cause de son mauvais caractère si les animaux évitent de rentrer dans cette forêt. Les gardiens peuvent paraître sages, mais ils sont surtout très vieux. Si vieux qu'il leur arrive de dire n'importe quoi. Bon, heureusement qu'ils sont là pour protéger les fragments. Il faudrait juste qu'ils apprennent à s'en séparer. Ouais, d'accord, les trucs qui paraissaient un petit peu sans intérêt au départ.
retrouve avec des trucs plein de poids. Et voilà. Merde, attends. Il y a un souci. Elle met pas sur le truc du dessus. Pas. Voilà pourquoi. RPC, repasser, enfin ressortir de l'hiver, quoi. Implément. Ah. Pas ça. Déjà en place, il t'attend. Avance au centre. Vas-y, n'aie pas peur. Attends, là, ça veut dire que je peux pas retourner en arrière, c'est ça? Le plein. Bon, soit. C'est sympa aussi la direction artistique, là. De me finir Planet of Lana. C'était quand même une belle pépite. Et là, celui-là, c'est quand même sympathique aussi. Hein. Bon, je vais devoir te séparer du renard. Le fragment peut réagir violemment lors de la fusion. Je vais faire bien attention, mais ça reste un processus dangereux. Ce serait plus prudent que le renard reste à l'écart. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de neige par ici. Maintenant, c'est l'hiver pour de bon. Eh ben, en voilà un qui n'aime pas beaucoup les cérémonies. Tu devrais reprendre possession du renard avant qu'il s'échappe. J'imagine de toute façon que c'est les trois autres saisons après l'automne, quoi. Il existe quatre saisons, quatre gardiens. Si tu fusionnes avec les autres saisons, tu pourras les invoquer librement. Mais pour ça, il nous faut des fragments. Le deuxième gardien habite un marécage plus loin vers l'ouest. Je préfère te prévenir, celui-ci ne se laisse pas approcher facilement. Alors tâche de te faire discrète. D'accord. Oui, c'est par là. Voilà, continue tout droit. Du coup, si je jappe deux fois... Moi, je peux plus changer la saison. Ok. Mais c'est pour ça qu'elle a dit, maintenant, on est définitivement à l'hiver, quoi. Une fois que j'ai fusionné avec le truc, je fais passer la saison de manière définitive, a priori. C'est très joli, hein, putain. Je me répète, mais j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'avais acheté, ce jeu, je me souviens. J'avais regardé une vidéo, j'ai vu la direction artistique, je dis wow. Vas-y, let's go. Tu sais, petite graine, j'ai pas l'air comme c'était ça. C'était ça, il était vraiment pas cher. J'aimerais bien, moi aussi, pouvoir courir, sentir le vent, la glace sous mes pattes. Mais je peux pas. Pas avant que nous ayons rassemblé tous les fragments. Il nous les faut si on veut pouvoir accomplir le rituel. Du coup, je me demande qui c'est, là, la narratrice.
Ça, j'imagine que c'est pas gelé si en hiver, quoi. Je vais revenir, du coup, normalement, ça, j'aurai attrapé le printemps. Bon. Si ça va dans le sens chronologique. Ah, ça fait vraiment penser à un cheval, je trouve, ce truc-là. Normalement, ouais, si je reviens bien avec le printemps, pour passer ici, je serai obligé de repasser en hiver, je pense. Moi qui puisse nager, le saison, c'est comme ça que les gardiens l'appellent. Je sais pas bien en quoi ça consiste, mais j'ai plusieurs fois entendu les gardiens en parler. Le rituel des saisons peut changer le cours d'une vie. Si c'est vrai, ça signifie qu'il pourrait changer la mienne. Et la tienne aussi. Je pourrais enfin quitter le sanctuaire et toi, tu pourrais... Je sais pas. Tu pourrais réaliser tous tes rêves. Tu dois bien en avoir des rêves. Elle demande bien ce qu'elle est, elle, du coup. Ça attise ta curiosité. C'est pas mal. Bah, calme-toi, petit renardo. Pas sûrement pour le retour, ça. C'est le genre de jeu, ça, en mode détente, le soir, quand tu rentres du taf. Tranquillou, quoi. Prends pas le chou. Ça détend. C'est un serpent. Là. J'ai pas bien vu derrière ce que c'était. Petite graine. Tu viens d'entrer sur le territoire du gardien de l'automne. Il peut être parfois imprévisible. Prends garde à ce qu'il vous abîme pas, toi et ton renard. D'accord. Il y a une espèce de héron. Non, les bruits. L'ambiance est vraiment bonne, c'est joli, c'est... C'est vraiment pas mal du tout, ce petit jeu-là. J'avais bien fait d'acheter ça. Ah. On sait avoir des petites réactions de printemps. Moi, je l'avais vraiment payé, genre 3-4 euros à l'époque, il était en promotion, je me souviens, sur le store Microsoft machin. Enfin, Microsoft Store. Et vraiment, écoutez que dalle, quoi, j'avais été attiré par la jaquette. Ça fait un moment hein, que je l'ai, mais... C'est un jeu toujours tout récent. Mais bon, ce genre de jeu, c'est indémodable. Si tu entends le vent siffler, c'est que le gardien ne doit plus être très loin. Fais bien attention. Ah, tu veux jouer? Thank you.
Vous êtes lui. Ok, donc lui aussi se met à roupiller. Bizarre. Je me demande si elle me fait pas faire une connerie là, la narratrice. Hein. Plus à l'été qu'à l'automne, ça. Qu'au printemps. On repassera en hiver. Ah non. Comment je fais ? Celle-là. Ah, fallait que je la ramène ici, là. Bah dis donc. C'est bon, le gardien de l'automne a fini par se rendormir. Tu risques plus rien. Suis le fragment qu'il t'a donné. Il sait forcément comment rejoindre le lac.
Lui, c'était le gardien de l'automne. Il fait des chaleurs. Ouais, c'est chelou. Donc là, faut que j'aille chercher les trucs qui sont en hauteur, hein. Alors, comment je vais faire pour aller les chercher? Gilles, ce petit renard, quand même. Prendre les deux, hein, parce que... que d'un. Comment il grimpe? Ça me fait trop délirer. Ok. Mais comment je fais du coup? D'en haut là? Retire pas. Voilà. Bon, les énigmes montent en difficulté tout doucement. Tranquillou. C'est pas mal.
Faut laisser geler. Mine de rien, pour une si petite graine, t'es drôlement futé, hein? Et tu vas voir, une fois que t'auras absorbé ce deuxième fragment, tu le seras bien plus encore. Donc, du coup, là, c'est fait hiver et automne. Donc, c'est pas dans l'ordre. Plutôt à rebrousse-poil, quoi. Pour le coup. On va voir si c'est le cas. La prochaine, ça va être l'été. Ok. Bon alors elle c'est qui du coup? La narratrice là. Atrix. Ses couleurs, ses odeurs. C'est vraiment ma saison préférée. Ah, pas moi. On pourrait moi, profiter de ce moment si seulement ton renard se tenait tranquille. Il doit pas beaucoup apprécier qu'on se serve de lui, mais on n'a pas d'autre animal sous la main. On est à mi-chemin, donc il va falloir qu'il nous supporte encore un petit moment. Essaye peut-être de le rassurer. Oui, comment je fais ça, moi? Toi, au moins, il t'apprécie, c'est déjà ça. Je te l'avais promis, petite graine. Maintenant que tu as absorbé deux saisons, tu peux les invoquer librement. Chaque saison est unique et transforme les éléments qui t'entourent. N'hésite pas à utiliser le pouvoir des saisons où tu veux et autant de fois que tu veux. Alors, petite graine, quelle région vas-tu explorer maintenant? Bah, tu as de l'embarras du choix. Mais permets-moi quand même une suggestion. Tu pourrais servir du pouvoir des saisons pour accéder à l'entrée de cette grotte. Mais je te force pas, fais ce que tu veux. Alors, pouvoir des saisons. Et ça, c'est l'hiver, ça, c'est l'automne. Ok. Oui, donc soit je suis sur l'un, soit je suis sur l'autre. Je peux pas être entre les deux, quoi. Ok. Alors, elle est où l'entrée de ta grotte, là? Écoute, où je vais, mais j'y vais. T'entends ça? On dirait des insectes, hein? Eh ben, je te défie d'en trouver par ici. Ou de trouver le moindre animal, d'ailleurs. Non, en fait, ce sont les plantes qui font ce bruit.
m'a pas parlé du prochain gardien. Si, il nage quand même. Il faut quand même que je passe en hiver. Si je veux passer. Bien joué, petite graine. Tu as parfaitement compris comment utiliser le pouvoir des saisons. Ça tombe bien. Le troisième gardien se trouve après cette grotte. Allez, petite graine, vas-y, ne perds pas de temps. Moi je venais de là moi. Je sais plus. Si je crois. Ouais. Ah du coup la suite c'est où? D'accord. Excellent. Merde, je suis béton. Thank you.
Level design est complètement dingue. T'es sûr que tu vas dans la bonne direction? C'est absolument rien. C'est ça qui est bon. Où je vais, mais j'y vais, quoi. Blague. Merde. Faut que je change de saison. Bah ouais, non, pas tout de suite. Je suis con, moi. Avoir besoin des... champignons. Le problème, c'est que maintenant qu'elles sont toutes petites, je l'ai dans le cul. Je peux plus m'en servir pour monter là. Si. Je pense pas. Je suis trop bas. Alors, on va faire en sorte qu'elle redevienne grande là. Ça va pas, j'ai dans le cul. C'est pour ça qu'elle me disait. Notre bas est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Je ne suis pas sûre que ton renard soit capable de sauter suffisamment loin pour le traverser. Bon, gauche ou droite? Je suis en train de retourner où j'étais tout à l'heure là.
C'est trop bas, ça, je peux pas passer. Donc, à mon avis, il fallait plutôt que je passe à droite. Du coup, ça paraît évident, mais bon. À savoir. C'est peut-être pas le bon chemin non plus. Non, c'était là. Ouais. Attends, ma couillasse. Ok. Tu ne te laisses pas décourager facilement à ce que je vois. T'as raison. Quand on peut pas résoudre un problème à la force de ses pattes, il suffit de le faire avec sa tête. Des lucioles, ça signifie que tu n'es plus loin de la sortie. Si toutefois elles acceptent de te laisser passer. Ah bon ? Elles vont me faire barrage ? Oui, d'accord. T'emmènes-nous, toi. Ah oui, ça va pas. Il va falloir que je passe en mode congélation. C'est tout. Merde. Oh. Ah, c'est pour me faire revenir plus vite ici, d'accord, bien. Ah, encore une luciole, ça fait 3. Allez, d'accord, je suis de l'autre côté de où j'étais tout à l'heure. Ok, donc un par luciole et ça va m'ouvrir la porte. Comment ça? C'est pas la solution ? Ah, c'est pas le bon ordre. Un ordre.
moi j'aurais le raccourci. Hein. Si je repartirais par là. Mais... Merde. Je suis obligé de toute façon parce que là il n'y a rien, je peux pas l'emmener nulle part. Bon, ici il se passe quoi parce que... Attends, je vais quand même... Si il y est, c'est pas pour rien, ça doit débloquer un truc, je sais pas. Passer en mode hiver. Oh, j'ai déjà fait ça. Oh l'arnaque. Je me suis fait zombie. Non. La musique, on a l'impression d'être dans un truc ensorcelé, quoi. Ouf. Là, ça servait juste à faire tomber un machin et... qui servait à rien. D'accord. Bon, pourquoi pas. Après tout. Sans le gardien, là, hein, quand même. Peut-être pas. Parce que ce qui est chiant, c'est que ça fait, ça réduit les chutes d'eau comme ça. Bon, là, ça va m'être pratique, mais... Moi, je puisse passer quand même comme ça. Non. Tout à l'heure, je suis sûr qu'il y avait un truc et... Je sais pas... J'ai pu m'en servir, quoi. Ça a débloqué quelque chose en particulier. Don't know. Ce sera pour le retour sûrement. À l'époque, cette rivière était remplie de saumons. Aujourd'hui, ils se font bien rares, et je crois savoir qui en est le responsable. Maître du sanctuaire de l'hiver, là. Enfin, le... Je sais plus comment elle a appelé ça.
Ah non, ça serait lui, l'anguille. Mangeur de saumon. Grosse anguille pour qu'elle mange du saumon. Tu me diras, elle est grosse. Ça c'est quoi alors, l'été ou le printemps? L'été, théoriquement. Nous servir? Ah, c'est. Ça fait plutôt printemps. Bon. Oh, oui, d'accord. On en est là. Donc, après. On gèle tout ça. Ça change le level design. C'est vraiment excellent. Hein. Ce jeu, il est vraiment très bien pensé. Pour un petit jeu qui paye pas de mine comme ça. Alors, comment je fais là? J'invoque le printemps? C'est ça qui fait remonter le. Ah, ça a l'air d'être ça. Hein. Merde. Ah, attends, bouge pas. Ah, du coup, est-ce que je vais retrouver mon passage de tout à l'heure? C'est juste un. Du coup, j'ai envie d'aller voir. Maintenant que j'ai le pouvoir du printemps, là. Et du coup, faut refaire ça. C'est là qu'il faut se rappeler. Je crois. Je suis déjà en hiver. Ah oui. Ah ouais. Que c'est pas loin là. Passe. Déjà? Ça se fait qu'elle l'a fait ici, qu'elle a pas attendu qu'on revienne au truc. C'est un espèce de cheval hein, encore là. Là, c'était le grand machin, donc c'est un peu plus loin, normalement. On va voir si je me mets en printemps, il se passe quelque chose ou pas. Les trucs, là. Non. Toujours pas. Ok. Le troisième fragment? C'est presque trop facile. Le gardien du printemps n'a pas dû faire beaucoup de résistance. Pourtant, tu l'aurais vu autrefois. Toujours prêt à jouer, à bondir entre les cascades. On s'entendait bien tous les deux. Aujourd'hui, c'est là, c'est bon. Comme les autres gardiens. C'est triste, mais c'est comme ça. Aussi puissants qu'ils soient, les gardiens ont aussi leurs faiblesses. Alors c'est là, comment je vais arriver à geler les trucs assez vite. Je sais pas si ça va être assez réactif. Hein. On verra bien. Oui, surtout qu'il faut que je fasse ça. Repasse en printemps.
Attends, c'est impossible, hein. Parce que le printemps a le même effet... Ah ouais, mais non, c'est que je suis obligé de me foutre en automne pour avoir les champignons. Ce qui est logique, hein. C'est pas compatible, tout ça, là. Non, il faut d'abord... Je passe en printemps... J'allais dans le cul, hein. Dans le cul, Lulu. Si je fais ça, je passe vite en printemps et hop, je l'arrête. Hop, gèle-moi tout ça. Ah non, ça marche pas. Non, je l'ai dans le cul. Je sais pas comment on peut faire. Alors, faut se servir de ça, d'ici. Si je passe comme ça. Même comme ça, ça va pas marcher, quoi. Là, admettons... Il fallait que je le fasse aussi sec. Non, excuse-moi ma poule, c'est pas ça que je voulais faire. Ensuite, ça. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. Essayez. Ah, si ça a marché. Alors. Et pas con le renard quand même. Là. On va grandir ça. Du coup, on recongèle. Tac. Alors, du coup, tout ça pourquoi? Champignons, d'accord. J'ai l'impression qu'en fait ça sert juste à ressortir en fait. Hein. Venir le chercher lui, mais bon. Je t'ai déjà passé en plus ici. Moi, je suis en train de me faire total arnaquer là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Jean-Claude ? D'accord. Intéressant. Il l'a pas... Putain. Ok.
Non. Ah. Ah oui, ça peut faire de l'eau, c'est vrai. Alors, on commence à traîner la patte, petite conne? Bah dis donc, c'était plus long, hein. C'est d'un triste. Je m'attendais à mieux. Pourquoi faut-il toujours qu'il pleuve au printemps? Et pourquoi doit-on toujours se plaindre quand il pleut? Heureusement, il ne reste plus qu'un fragment à récupérer. C'est pas quelques gouttes qui vont nous empêcher de finir ce qu'on a commencé. Maintenant que tu peux manipuler trois saisons, tu devrais pouvoir facilement débusquer le dernier gardien. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui lui prend encore? Tu crois que je lui fais peur? Ne t'en fais pas, petit renard bruyant. Tu pourras bientôt repartir d'où tu viens. Ok. Du coup, je vais en rester là pour cette vidéo. Moi, je vais me torcher le jeu dans mon coin, mais vu qu'il reste plus qu'une saison à faire, je veux pas faire le jeu complet sur la vidéo non plus. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire après la quatrième saison, hein, parce que là, ça fait qu'une heure vingt, pas 1h22, en comptant le blabla, tout ça, bon, voilà. Mais bon, je me dis que je vais quand même arrêter là. Je pense que j'en ai montré suffisamment pour donner envie de le faire, quoi.
Je pense que c'est un jeu qui doit pouvoir s'acheter à pas cher, hein, je pense. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti ce jeu. Voilà. Ouais, forcément, c'est pas écrit là. Non. Alors, 2017. Ouais. Ok, il date un peu. Hein. Bon, voilà, 10 balles. Hein. Franchement, c'est pas cher payé quand même. C'est pas cher payé. Donc voilà, je pense que j'en ai montré quand même assez pour rattraper mon petit renard. Pour donner envie, je pense. Voilà. C'est quand même plutôt cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup la diversité, le level design qui est complètement surprenant. Je pense que c'est clairement avec le game design le gros point fort du jeu, quoi. Bon, l'histoire, bon, ça a l'air d'être assez. C'est simple au final. Je pense qu'il y a une petite entourloupe derrière tout ça, mais bon, je pense que ça doit être une histoire assez basique. Par contre, le level design et le game design, chapeau quoi. C'est intéressant. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que je t'aurai donné envie de faire le jeu. Et puis, bah, sinon, au pire, on trouve un let's play sur YouTube, ça doit certainement pas manquer. Et puis, tu verras la fin du jeu. Voilà. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.